Chaque problème a sa solution, mais quand il n'y a pas de solution, il ne faut pas chercher. C'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Patrick Louis Richard. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, malgré les énergies un petit peu chamboulantes, un petit peu remuantes là. On a la planète Mars qui est entrée, il me semble, dans la constellation du Bélier, il me semble. Donc des énergies qui mènent un petit peu sans dessus-dessous. Ce qui fait que, du coup, eh bien, on l'a vu pour les énergies du week-end, on avait une certaine colère qui remontait chez la féminine et on nous demandait tant bien que mal de choisir, du coup, le pardon. Alors, est-ce qu'on y est arrivé ou pas? Moi, non. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je voulais aussi remercier toutes mes collègues qui parlent de moi, toutes mes collègues qui partagent mes vidéos sur leur chaîne. Merci énormément, ça me fait toujours très très plaisir à chaque fois quand il y a des abonnés qui viennent me voir et qui me disent hey, il y a un tel qui apparaît toi. Vraiment, merci infiniment. Et je profite aussi pour vous rappeler que mardi soir à 21h, il y aura le live, un soin live. Un soin nettoyage pour se nettoyer un petit peu de toutes ces énergies très très remuantes de ce mois de juin, histoire de bien commencer la petite saison estivale, de bien commencer l'été, de partir en vacances, histoire d'être de manière un petit peu plus sereine, on va dire. Si vous voulez participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal directement en barre d'infos. C'est 10 € minimum, sachant que le soin nettoyage, il en vaut 60. Voilà, voilà pour les petites news. Et merci aussi, encore et toujours, amis YouTipeurs. C'est vrai que je le dis pas très souvent en ce moment, mais merci infiniment à tous ceux qui passent sur YouTube, tous ceux qui me donnent de leur temps. Ça fait toujours énormément, énormément plaisir. Alors, aujourd'hui, on est avec le Romantic Tarot. On va être sur une semaine sur les tarots. Envie de reprendre un petit peu les tarots pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on est parti. Alors, en ce qui concerne la féminine, on a ici déjà le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte un petit peu, vous voyez, c'est la carte de la valse. On est clairement sur l'idée ici, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, 5 pas en arrière. Je pense qu'on connaît tous un petit peu ce truc-là. On a l'impression d'avancer, puis juste après, on a l'impression de reculer. On est un petit peu perdu dans tout ça et on ne sait plus trop où est-ce qu'on se situe, on ne sait plus trop si on avance, si on recule. On ne sait plus trop si ça sert à quelque chose d'avancer. Vraiment, on est encore dans des énergies de ras-le-bol un petit peu en ce début de semaine-là. Il y a l'idée du silence qui est un petit peu pesant, mais à la fois on a un masculin qui est dans le silence, à la fois on a une féminine aussi qui veut rester dans le silence, justement de par ces énergies un petit peu de ras-le-bol, hein, qui mènent un petit peu à la colère aussi. Là, encore une fois, il y a Mars qui est entré en bélier, donc faites attention un petit peu à toutes ces énergies un petit peu agressives qui peuvent venir, que ce soit pour votre hôte, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour des amis. On va être un petit peu à fleur de peau là pendant cette semaine. On va vraiment devoir un petit peu décolérer, hein, disons que les énergies que la vidéo que je vous ai faite pour les énergies de ce week-end, elle va continuer sur toute la semaine. On a ensuite la carte du chariot. La carte du chariot, c'est celle qui nous demande ici d'avancer. On est sur une carte qui parle ici de rêve et d'espoir. Et qu'on vous dit que rien ne pourra arrêter vos rêves et vos espoirs si ce n'est vous-même. L'important, c'est surtout de ne pas changer de cap. On parle ici de rester dans sa conviction, de rester vraiment dans ce côté je sais que c'est bon pour moi et je sais que c'est par là que je dois aller. Alors peu importe. Si vous, pour l'instant, vous n'avez pas envie de pardonner à votre masculin et tout parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses, c'est comme ça que vous devez le vivre. Vous voyez, vous n'avez pas à vous sentir mal parce que vous êtes en colère ou quoi. Forcément, la colère, c'est pas le top. Ouais, tout le monde sait que la colère, c'est pas le top. Mais si c'est ce que vous devez vivre sur l'instant, vivez cette colère. Vivez cette colère. Laissez-la s'exprimer, laissez-la sortir. Encore une fois, pas en allant crier sur les autres, mais
extériorisée là, que ce soit encore une fois dans la peinture, que ce soit dans les pâtisseries, ou que ce soit dans le chant, dans le fait de prendre votre voiture, d'aller sur le périph et de vous mettre à crier. Peu importe, mais laissez-la s'extérioriser, encore une fois, pas spécialement en la dirigeant vers les autres, mais laissez-la sortir. Et ensuite, une fois qu'elle sera totalement sortie, ça ira mieux déjà, parce que vous aurez sorti cette colère-là. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Un sentiment vient parce qu'il est contenu un petit peu à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de regrets, de remords, de colère envers l'autre, envers ce qui s'est passé, de colère envers nous-mêmes aussi, de culpabilité. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de ressortir. On a beaucoup de planètes qui sont en rétrogradation là. Donc, c'est normal qu'on revienne sur des éléments du passé qui nous agacent. C'est normal si on est en train de revoir des schémas du passé qui nous agacent aussi. Là, vraiment, il y a vraiment toutes ces énergies qui sont là pour nous faire sortir tout ce qui est contenu à l'intérieur de nous depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, et qui ne demande qu'à être extériorisé. Donc extériorisez tout ça déjà, et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Si justement on n'arrive pas à pardonner autre, que ce soit vous ou moi, encore une fois, je ne suis au-dessus de personne, ces guidances sont autant pour moi que pour vous, les conseils qu'on donne sont autant pour moi que pour vous. Si on n'arrive pas à extérioriser les choses, c'est parce qu'il y a cette colère qui est contenue et qui demande vraiment à être sortie. Ça peut être encore une fois par l'écriture, par le dessin, par la peinture, par n'importe quoi, mais il va falloir sortir tous ces sentiments-là. Parce que si on n'arrive pas à passer au-dessus, c'est qu'il y a encore voyez, un gros bouchon de colère qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être expulsé, quoi. Donc là, il va falloir un petit peu, justement, on reste dans cette conviction parce que le cœur sait, la tête est en colère, parce qu'il y a des choses qui se sont passées et la tête ne les accepte pas, ce qui est totalement normal, on reste humain. Mais le cœur sait à l'intérieur, mais ce qui empêche le cœur de prendre le dessus, c'est que justement il y a ce bouchon qui est là et qui doit être sorti. Donc criez, peignez, construisez, je ne sais pas, mais faites sortir tout ça. Ça va être vraiment très important là pour les jours à venir. Ça va être une semaine qui va être un petit peu chamboulante, très très chamboulante, je vous le cache pas. On va revoir beaucoup de choses. On va nous demander d'expulser et de sortir beaucoup de choses, mais ça va toujours être pour du mieux, ça, je vous l'assure. C'est la seule chose dont je suis extrêmement sûre par rapport aux énergies à venir. C'est que ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir extérioriser cette colère, ces ressentiments, cette culpabilité aussi, parce que la culpabilité joue beaucoup. Et c'est ça qu'on vous demande de lâcher. Vous allez voir après que ça va aller beaucoup mieux. Ensuite, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est ici quelque chose de puissant qui gouverne justement les pensées. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est qu'il y a le cœur qui sait. Et le cœur, lui, est dans cette conviction. Il ne veut pas lâcher tout ça. Mais il y a ce bouchon ici qui est là. On n'arrive pas à, vous voyez, on n'arrive pas à casser les anneaux, littéralement. Et ça, c'est la colère, et on est en train de, ouais, vraiment de tirer les uns sur les autres. On est en train d'être écartelés intérieurement là, et on n'y arrive pas, mais on doit lâcher un petit peu tout ça, et ça va aller beaucoup mieux. Il est inutile de résister quand l'amour a la force de l'amour. Voilà. Il est inutile de résister quand le cœur vous parle. On a après le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la carte ici de la. C'est une sérénade presque, c'est un monde infini, c'est un monde qui est intemporel. On sait que le monde des contes de fées, littéralement, n'est absolument pas pour nous, parce qu'on s'ennuierait un petit peu. C'est un petit peu ça, en fait. Là, clairement, le masculin, il fait en sorte qu'on ne s'ennuie pas, hein? On va dire ça comme ça. Mais c'est une carte quand même qui symbolise le bonheur, c'est une carte quand même qui symbolise ici les retrouvailles, vous voyez, après le métro, après un trajet, après un voyage. On est vraiment ici sur une carte qui nous parle d'espoir quelque part. Pardon. Qui nous dit que les choses vont mieux aller après. Alors, là déjà on voit la carte de la tour.
On a ici la carte du cavalier, qui est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ici, c'est celui qui joue contre lui-même. Et quand on joue contre lui-même, on perd et on gagne en même temps. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. C'est un combat neutre, en fait. C'est un combat neutre parce qu'à la fois, on va vers ce qu'on veut, à la fois, on va vers ce qu'on veut pas. Et tout ça, c'est à cause justement de tous ces sentiments-là qu'on a vus qui sont coincés à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire avec le cavalier de coupe que quand vous jouez contre vous-même, vraiment, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et c'est une lutte qui va juste complètement vous épuiser. On a ensuite, il me semble que c'est le... Oui, c'est le 5. Hein. On a sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est celui qui rit et qui va uniquement quand il trouve la bonne personne. Là, c'est notre cœur qui est en train de nous dire que bah, y a un manque un petit peu du masculin. Même si on est en colère contre lui, etc., il y a quand même un manque du masculin et c'est justement ce manque qui fait qu'on est un petit peu en colère contre lui. Un petit peu parce qu'il y a d'autres raisons, bien entendu. Suivant votre situation, il y a d'autres raisons. Mais là, c'est le manque qui se fait le plus sentir, c'est le cœur qui a mal de ce manque. Et c'est la colère, un petit peu tout ça, c'est cette frustration de tout ça, cette culpabilité de tout ça. Il y a vraiment tout ce côté solitaire, en fait, qui n'apporte absolument aucune joie, juste de la fatigue. Et c'est un petit peu ça qui fait que, voilà, qu'on est dans des énergies pareilles. Mais on a bien ici la carte de la tour. La carte de la tour, c'est la déconstruction. C'est le fait de devoir être forcé d'aller de l'avant quelque part. C'est vraiment la destruction des fondations. Et là, on est en train de dire qu'il y a une destruction de tous ces sentiments-là qui ont été accumulés depuis des années. Mais vraiment des années, depuis que vous connaissez votre masculin, en fait. Et là, on vous dit, ouais, il y a cette déconstruction de tous ces sentiments négatifs-là qui plombent la relation, qui doivent s'écrouler, littéralement, parce que ça donne de mauvaises fondations à la relation. Et on ne peut pas avancer quand on a des ressentiments envers l'autre, on ne peut pas avancer quand on a de la colère envers l'autre, etc. Alors oui, quand on nous fait du mal, c'est normal. Maintenant, justement, l'amour inconditionnel, c'est la chose qui va nous demander de passer au-dessus de tout ça. Comme on dit, hein, l'amour inconditionnel vient toujours se fronter à l'amour propre. Mais celui qui est censé gagner, c'est l'amour inconditionnel. Cette phrase, elle fait énormément méditer. Hein. L'amour inconditionnel vient toujours se frapper à l'amour propre. Ça se... Mais là, la tour, elle nous demande vraiment l'écroulement de ces mauvaises fondations. Elle nous demande vraiment de repartir de zéro cette semaine. Si possible, bien entendu. Après, c'est propre à chacun, suivant ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, bien entendu. Suivant ce que vous avez vécu aussi. Parce que je rappelle que ce sont bien des énergies générales. C'est une directive. C'est un petit peu comme la météo quand on vous dit qu'il va y avoir de la pluie. Bah, prenez un parapluie. Après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez et vous faites ce que vous pouvez. Mais ne vous en voulez pas de vous dire j'ai choisi le mauvais chemin, j'ai mal fait, etc. Non, pas du tout. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de bon chemin. Ne culpabilisez pas d'avoir choisi un chemin qui est autre que ce qu'on vous dit dans une guidance. Une guidance, c'est une directive, voilà, c'est une météo énergétique qui va se passer ça. Il y a ça qui est en place, il y a ces énergies-là. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire exactement comme on vous dit dans les guidances. Ça, c'est très important. Et voilà, la carte de la tour, elle est ici pour, du coup, déconstruire les énergies qui sont en ce moment en place. Et on a ici la carte la carte du pape. La carte du pape, encore une fois, c'est une carte que je trouve magnifique dans ce jeu, de par la symbolique qu'elle a. C'est le prince de la foi. Parfois, il faut savoir pardonner, la tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. L'amour intelligent ici, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui est sans condition. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'amour propre qui met des conditions. L'amour inconditionnel, lui, n'a absolument aucune condition. Et c'est ça qu'on vous demande dans ce parcours. Encore une fois, parfois il faut savoir pardonner, la tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. Voilà pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage
ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur « Réserver », c'est à toi, du coup, de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre, tu veux, du coup, un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. En ce qui concerne le masculin, on commence déjà avec la carte du 6 d'épée. La carte du 6 d'épée, je vous avoue, elle m'a fait rire quand je l'ai vue tomber. Littéralement, sa définition, sa description, c'est « N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. » On est ici sur une carte qui symbolise le passage. Et on dit bien au masculin « N'ayez pas peur d'aimer ta féminine, n'ayez pas peur de vouloir être avec elle, de vouloir l'embrasser, lui faire des câlins, tout ça. » Parce que tu as peur d'avoir mal, tu as peur d'être trahi, tu as peur d'être rejeté, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Mais il sent il sent la colère de la féminine parce qu'il sait qu'il a merdé, il sait qu'il n'a pas été très honnête, très réglo dans tout ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu pour ça, vous voyez, qu'il a peur. Parce qu'il se dit, elle est en colère contre moi, je sais qu'elle est en colère contre moi, mais elle a raison d'être en colère contre moi. Il ne nie absolument pas le fait que vous soyez en colère contre lui. Il est totalement d'accord avec ça. Et c'est ça qui fait que ça le retient un petit peu. Il est très honteux. Le masculin ne reviendra pas vers la féminine tant qu'elle n'aura pas pardonné parce qu'il ne saurait pas comment dire simplement « je suis désolée ». Il a très honte, en fait, de lui, de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ce pardon est important. Encore une fois, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas ou autre, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, il sait, il sent les énergies de la féminine. Et il a peur de revenir parce qu'il a peur de ce qu'on pourrait lui dire. Il a peur de se faire engueuler, littéralement. Il a peur de se faire engueuler. Alors, on a ensuite le 6 de denier. Le 6 de pentacle, c'est un petit peu la carte qui nous dit que il faut quitter les anciennes routes, il faut vraiment aller vers un monde inconnu. On parle ici de créativité, on parle d'innover, surtout dans notre façon de faire. On est vraiment ici sur quelqu'un qui doit changer de tactique, littéralement. Tu dois changer de tactique masculin parce que là, c'est... Enfin, voilà, tu sais un petit peu ce qui va te tomber dessus, là, si tu reviens tout de suite, on va dire. C'est un petit peu pour ça que tu reviens pas trop vers ta féminine. Mais vraiment, il va falloir que tu bouges un petit peu tout ça, que tu changes un petit peu les choses, que tu changes ta manière d'aborder les choses, etc. Et il vaut vraiment mieux ici que tu laisses tes anciennes habitudes, que tu laisses tes anciennes phases, les anciennes choses que tu faisais de côté pour aller vraiment de l'avant. On te dit ici que c'est aussi carte de partage, donc il y a vraiment une notion de partage qui est en train de se faire. Là, les énergies vraiment vont être très chamboulantes pour l'un et pour l'autre cette semaine.
Le 5 de bâton maintenant, on a ici le French Cancan. Le 5 de bâton, c'est vraiment, encore une fois, c'est un petit peu comme ce qu'on avait avec la féminine tout à l'heure. C'est vraiment le cœur qui rit quand on est avec la bonne personne, mais où on se sent un petit peu solitaire, un petit peu sans aucune joie quand on n'est pas avec cette personne-là. Le masculin, je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais encore une fois, hein, ce tirage peut ne pas parler à tout le monde. J'ai fait tomber un truc, ça tombera pas plus bas. Ce tirage, je peux ne pas parler à tout le monde, c'est à adapter suivant votre situation. Mais là, il y a des masculins qui ne se sentent pas très bien sans leur féminine, qui essaient de s'amuser mais qui n'y arrivent pas, qui essaient de penser à autre chose mais qui n'y arrivent pas, qui essaient de se mettre un petit peu à fond dans une activité, que ce soit le travail, que ce soit une activité sportive ou que ce soit la famille, s'ils ont des enfants, etc. Il y a vraiment une idée de se focaliser sur quelque chose qui ne se met pas en place. Quand on fait du sport, on ne pense que à la personne. Enfin, il y a vraiment cette idée, j'arrive pas à m'amuser, j'arrive pas à penser à autre chose en fait. Et si on a l'as de coupe, l'as de coupe qui représente, je ne sais plus quelle fontaine à Paris, c'est les fonds. C'est les fonds baptismaux, je crois. Déjà, avec le focus, ça sera un peu mieux. Voilà. Mais c'est une fontaine qui est à Paris, mais je ne sais plus laquelle. Si jamais vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Comme ça, vous pourrez aller la voir quand vous irez à Paris. À Venise, pardon. Venise. C'est pas Paris, c'est Venise. L'as de coupe, ici, on est sur quelque chose qui est né, qui devient grand. On est sur justement cet amour qui est là et qui grandit de jour après jour et qui amène du coup tous ces sentiments autres dont on se passe très bien. Mais voilà, on est bien sur cette idée de reconnexion qu'on a vue ce week-end avec le masculin où il s'est vraiment en train de grandir de plus en plus. Avec le fait qu'il n'arrive pas à penser à autre chose qu'à elle, même s'il essaye, on est vraiment ici sur l'idée que ça prend vraiment de l'ampleur, en fait. Je sens un masculin qui est tiraillé, qui a vraiment envie d'aller parler à sa féminine, mais qui n'y arrive absolument pas, parce qu'il y a toute cette honte, il y a toute cette culpabilité qui est liée à tout ça. Mais on dit aussi que la voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être entreprise. Là, on dit clairement à un masculin, tu n'as pas le choix. Que ce soit masculin ou féminin, une fois que vous êtes dans ce parcours, vous êtes dans ce parcours. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas passer à autre chose non plus. Pas dans le sens où on ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais on est dans ce parcours et si c'est votre chemin d'aller avec quelqu'un d'autre, c'est votre chemin d'aller avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, voilà, on commence à travailler sur nos blessures, on ne peut pas arrêter de travailler sur nos blessures. C'est un petit peu ça l'idée, que ce soit avec notre masculin ou avec quelqu'un d'autre ou machin ou aussi que sais-je. Quand on commence à travailler sur nous, quand on commence le développement personnel, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. On a enclenché une roue et la roue, on peut pas mettre de stop dessus. C'est marrant parce que quand on me dit, oui, on enclenche la roue, mais j'ai l'image de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, il me semble que c'est le 2, où il est sur une roue en train de combattre avec Barbossa. Bah, c'est un petit peu l'idée. Il n'arrive pas à s'arrêter et il aimerait bien que la roue s'arrête. C'est un petit peu comique, j'ai l'impression que le masculin, c'est un petit peu Jack Sparrow sur cette roue-là, qui est en train de rouler, de rouler, de rouler, et qui sait plus trop quoi faire. Et ben justement, juste après, on a la carte de la. On a la carte de l'étoile qui est symbolisée ici par la boussole, par la roue de la boussole. On a ici la carte de l'étoile, c'est l'astre brillant, c'est celui qui nous éclaire. On nous dit vraiment, vous n'êtes pas seul dans cette galère. Vous n'êtes pas seul dans ce joyeux bordel des flammes jumelles. Vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de vivre exactement les mêmes énergies que vous. Pas de la même situation, mais les mêmes énergies. Rappelez-vous ce collectif. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul et que si quelqu'un a trouvé la solution, ça veut dire que vous trouverez la solution vous aussi. Là, vraiment, comme dans la citation que je disais au début, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de se prendre la tête. C'est juste que la solution, pour l'instant, on n'arrive pas à la voir parce qu'on n'a pas assez de recul dessus. Une fois qu'on aura les idées plus claires, une fois qu'on aura pris un petit peu plus de hauteur, on verra tout l'ensemble et là on arrivera à trouver quelque chose. Mais pour l'instant, c'est un petit peu plus confus, on va dire. Mais la carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui montre l'espoir, c'est aussi une carte qui nous guide. Vous voyez là, le fait que l'étoile soit représentée par une boussole,
et qui, on voit les ombres, là, on voit l'ombre d'un homme et l'ombre d'une femme qui se tiennent la main. On a vraiment ici cette carte d'espoir, c'est-à-dire que le masculin, il essaie lui aussi de penser à autre chose, de faire autre chose. Mais on lui dit, bah voilà, t'es engagé sur ce parcours, tu es dans ce parcours, donc tu peux pas vraiment y échapper. T'es obligé de travailler sur toi, t'es obligé de faire toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est pas pour rien en fait. C'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça. Et on a après la carte de la roue de la fortune. Il y a beaucoup de roues dans ce tirage pour le masculin. On est sur la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est ici l'idée que la roue, elle tourne. Si vous êtes dans un mood un petit peu négatif, la roue va tourner pour avoir justement ce côté positif. On est vraiment ici sur une carte du changement. Du changement pour du mieux dans tous les cas. Même si on s'en rend pas spécialement compte. On est ici sur un destin qui est en marche. Le destin est en marche, vous êtes engagé sur ce parcours-là, c'est en marche. On ne peut pas arrêter la roue du destin, c'est pas possible. Donc là, on a un profond changement qui est en train de se mettre en place, mais on vous dit bien ici aussi avec cette carte que le temps de l'amour est inconstant et qu'on ne peut pas du coup le quantifier, on va dire ça comme ça. Et ici, la carte du magicien, le magicien qui vous rappelle qu'il peut absolument tout faire. Vous voyez, il utilise la baguette du bâton, il utilise l'épée, il utilise la coupe et le denier. Donc il peut tout faire parce que justement, il est bien ancré dans tous ces éléments-là. Il utilise l'air, le feu, l'eau, la terre. Il utilise tous ses attributs, la passion, le mental, la matière, les sentiments, le... Ah! Je sais pas, c'est quoi. Le mental, les sentiments, la matière, il en reste un, je ne sais plus c'est lequel. La vérité. Mais on est bien sur quelqu'un ici qui est bien ancré et qui y va, quoi. Qui n'a pas peur. Qui n'a vraiment pas peur. Avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va. Vous voyez, on a la carte ici, on va le mettre comme ça. On a la carte du magicien, donc il peut tout faire. Une fois qu'il aura tout fait, on a la carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est généralement celui qui apporte des nouvelles, celui qui va vers quelque chose. On est un petit peu sur la carte du cavalier chez Mademoiselle Lenormand ou l'oracle Tarot de Citania. Et on a juste derrière la carte des amoureux. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui me demande justement d'être passionné, d'être créatif, de suivre ses passions, de suivre ses envies, de ne pas se laisser arrêter. Vraiment, c'est quelqu'un qui me demande de partir à l'aventure. Partir à l'aventure de l'amour ici. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que c'est un conseil par rapport à votre masculin? Là, vous prenez ce qui résonne. On a aussi la carte du 7 de coupe. La carte du 7 de coupe, c'est vraiment le côté dans l'obscurité de la nuit, tout a la même forme. Là, il faut voir à travers justement toutes ces illusions. Là, on est sur un bal masqué et on nous demande de voir justement à travers les masques, d'enlever les masques pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et on a ici la carte du diable. La carte du diable, ici, c'est pas vraiment négatif, c'est surtout le côté. Faire attention en fait à justement ces illusions-là. On est sur une carte qui conduit encore une fois à la passion. C'est la carte qui représente la tentation. On est vraiment sur ce côté, suis ce que tu as envie, ne pense pas spécialement à autre chose. Il faut que tu ailles vraiment de l'avant. Et la carte qui vient de tomber, c'est la carte du 6 de bâton qui nous demande ici de ne pas rester emprisonné. Il faut se libérer un petit peu de tout ça. Il faut aller vers cette victoire. La carte du 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Donc va vers tout ça. Là, vraiment pour le masculin, c'est un masculin qui sait plus trop comment il s'appelle, qui a besoin de réfléchir un petit peu, qui sait pas trop comment revenir vers sa féminine, parce qu'il sent qu'il a un petit peu merdé et donc du coup il sait pas trop comment faire pour revenir. Et encore une fois, quand une personne est énervée, on n'a pas trop envie d'aller vers elle. Je ne dis pas que les féminines ne sont pas énervées, qu'elles n'ont pas de bonnes raisons d'être énervées. Hein. On a toutes les raisons qu'on a pour être énervées.
pour être en colère par rapport à tout ce que le masculin vous a fait. Mais il sent cette colère et il n'a pas trop envie d'y venir. Il a peur, vraiment, il a peur de se faire engueuler. Vous voyez, là, j'ai la carte de la reine de coupe et j'ai la carte du 4 de bâton. Enfin, la carte de la reine de coupe, littéralement, c'est la reine qui dépose les armes devant l'amour, devant la vérité de l'amour, devant ses sentiments, qui dépose son cœur au pied de quelqu'un d'autre et qui n'a plus peur, justement, d'avoir une trahison quelque part. Et le 4 de bâton, c'est l'amour qui appelle sur le champ de bataille. Et quand c'est l'amour qui nous appelle sur le champ de bataille, on ne peut pas perdre. Parce qu'on se bat justement par amour. Et on est déclaré vainqueur. Donc là, on a quand même un côté assez combatif. Hein. On a la reine qui dépose les armes. On a justement le 4 de bâton qui dit que bah oui, tu déposes tes armes, tu déposes les armes de ton mental, tu déposes ton ego, tu déposes tes masques, tu déposes tout ce qui fait que tu es dans une lutte en fait par rapport à cet amour-là, par rapport à cette passion-là. Tu es dans une lutte par rapport à tout ça et tu déposes les armes. Et justement, en utilisant ton cœur plutôt que des armes épées, etc., bah, tu vas voir que ça va beaucoup mieux se passer et que justement, il va y avoir cette victoire qu'on a vue ici avec le 6 de bâton. Mais il faut avant déposer un petit peu tout ça. Voilà. Que ce soit féminin ou masculin, tout ce qui est lié un petit peu, on va dire, à tout cet ego et autres, il faut que ça... Pfiou. Voilà, il faut que ça pfiou. Voilà les pingouins, ce que je peux vous dire. D'ailleurs, j'ai le 10, le 10 de denier. En dernière carte pour le masculin, le 10 de denier, c'est vraiment tout ce côté comment dire, ah j'ai perdu le terme, sécurité matérielle. Donc on a bien ici tout ce côté, il y a des choses qui sont en train d'être dépassées et on va pouvoir arriver à quelque chose. Alors, peut-être pas cette semaine, peut-être pas non plus pendant l'été, mais sur le long terme, on va arriver à quelque chose. Voilà, et bien du coup, cette vidéo est vraiment terminée, du coup. J'espère que ça vous aura plu. On est bien dans la continuité ici des énergies, du coup, de ce week-end. Petite vidéo, du coup, que je vous mettrai à la fin. Et voilà. Encore une fois, si vous voulez participer du coup au soin, vous avez le lien PayPal dans la barre d'infos. Je précise que le lien PayPal est dans la barre d'infos parce qu'on me demande encore comment faire pour participer. Eh bien, voilà. C'est 10 euros minimum. Encore une fois, le soin en vaut 60. Merci à tous qui ont déjà du coup participé. J'ai vraiment hâte de faire ce soin avec vous parce que apparemment, ce sera encore un soin canalisé, ce sera encore une sorte de méditation canalisée où on travaillera en même temps sur les énergies et je ne serai apparemment pas seule pour faire ce soin. Donc j'ai vraiment hâte, j'adore ces soins canalisés, je trouve ça trop bien. Donc voilà, merci à vous tous, encore une fois merci à mes utipeurs, merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait toujours très très plaisir et voilà. Et voilà, moi je reviens toujours pas de voir un petit peu tout ce que vous me donnez, tout ce que YouTube me donne, tout ce que YouTube m'a apporté. Merci, un grand merci encore à mes collègues qui partagent mes vidéos. Ça fait toujours énormément, énormément plaisir. Donc si vous voyez que quelqu'un partage mes vidéos ou parle de moi, ben, n'hésitez pas à lui dire merci de ma part. Et voilà. Sur ce, et puis du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Ciao, ciao!